Secret Story, Julien Jelohen serait en couple avec une star de la chanson française. Tout le monde se souvient de Julien Jelohen. Le jeune homme a remporté Secret Story durant la saison où se trouvaient Marvin, Bastien Grimal, ou encore Mélanie Dédigama. Depuis, le beau gosse est devenu animateur sur NT1 pour l'ancienne saison du programme. Reste à savoir quels vont être ses projets si l'émission disparaît définitivement. En tout cas, côté sûr, tout semble aller pour le mieux pour Julien Jelohen. En effet, selon Public, il serait en couple avec une star de la chanson française. Secret Story, Julien Jelohen, en couple avec une chanteuse? Il semblerait qu'elle n'ait pas perdu de temps pour retrouver l'amour car selon Public, ce serait Julien Jelohen qui partagerait sa vie actuellement. L'ancien gagnant de Secret Story ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, toutefois, Public a dévoilé l'information. Depuis sa séparation avec le séduisant Benoît Paire, c'est, selon nos informations exclusives, avec Julien Jelohen, que Chim vit une autre love story. Love story qui, malheureusement, battrait un peu de l'aile selon notre source, très proche de la star de la musique. Secret Story, qu'a fait Julien de l'argent? En ayant remporté Secret Story, Julien Jelohen a remporté une jolie somme. Le jeune homme souhaitait ouvrir un bar à vin avec sa cagnotte. L'a-t-il fait depuis? Il a donné la réponse il y a quelques mois. J'ai été tellement pris de court qu'il fallait que je trouve une idée. J'ai dit un bar à vin parce que ça paraissait cool. J'aime bien l'ambiance, recevoir des amis, mettre de la musique. Après ma victoire, je me suis demandé si j'allais ouvrir mon bar à vin à Paris ou dans le sud et puis ouvrir une entreprise, ça prend énormément de temps. Et puis, j'ai ensuite eu l'occasion de travailler avec TF1, du coup j'ai laissé ce projet de côté. Avant d'ajouter, je me suis juste acheté une paire de chaussures à 500 €, mais j'ai toujours ma vieille petite voiture. Je me déplace sur Paris avec un scooter qui a 30 000 km, ce qui est énorme. J'essaie plutôt de construire que de dépenser.